Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la semaine européenne de réduction des déchets 2022. Nous allons commencer par parler des textiles au centre des thématiques de cette édition 2022. Je suis certaine que, comme moi, vous vous retrouverez régulièrement devant votre armoire en vous disant que tel vêtement ne vous va plus ou que celui-ci est trop petit ou encore troué. Mais que faire de ces vêtements qui remplissent nos placards et dont nous n'avons plus l'utilité? Suivez-moi, je vous explique tout. Première solution, réparer ou détourner. Fil, aiguille ou machine sont vos amis pour recoudre ce trou ou faire de ce t-shirt un sac en tissu permettant de remplacer les sacs plastiques qui sont voués à disparaître. Et si comme moi, vous n'êtes pas la personne la plus douée, faites appel à un parent ou une couturière. Ils peuvent toujours vous trouver une solution. Deuxième solution, donner les vêtements. Cousins, cousines, neveux, nièces, amis, les personnes pouvant être intéressées sont nombreuses. Troisième solution, vendre. On ne va pas se mentir, les sites et applications sont de plus en plus nombreux. Quatrième solution, déposer dans les bornes textiles. En déchetterie ou directement dans les communes, des bornes textiles sont à disposition. Bien déposés dans un sac fermé et en n'oubliant pas si possible d'attacher les paires de chaussures ensemble, les vêtements et autres textiles, comme les draps par exemple, arrivent sur une plateforme pour être triés. En bon état, ils sont remis en vente dans des magasins à tout petit prix. Vendables, soit ils sont utilisés comme chiffon et vendus aux entreprises comme les garages automobiles, soit ils sont recyclés en bourre, utilisés comme isolation thermique dans les domiciles. Comme quoi, les textiles, déchets bien souvent oubliés, peuvent également bénéficier de plusieurs vies. Vous êtes dorénavant incollables sur cette thématique, mais que diriez-vous d'en savoir plus sur le compostage? Pour cela, rendez-vous le lundi 21 novembre à 10h pour devenir un pro. Et n'oubliez pas que chacun peut réaliser de petits gestes à son niveau pour gérer autrement ses déchets.